Pas de malade, pas de criminel. Là n'est pas la question, Votre Majesté. Ils... Ce sont mes citoyens, et je ferai tout pour les sauver de la peste. Sans exception. Très bien. Nous ne parlerons plus de cela. Maman, Corvo est là. Merci, Emily. Laissez-nous, je vous prie. Tout de suite, Majesté. Corvo, quelle surprise. Vous avez 2 jours d'avance. Rien de moins. Comme il est bon de vous revoir ici. Quelles sont vos nouvelles ? J'espérais que cette... Pas été là. Oh non, pas encore. Maman, non. Laissez-la tranquille. Juste ciel, mais qu'avez-vous fait? C'est lui. Il a tué l'impératrice. Qu'avez-vous fait de Lady Emily, traître? Son propre garde du corps. Quelle ironie. Vous le paierez de votre vie, Corvo. Emmenez-le. Mangez donc encore.
venez. Je m'appelle Samuel. Et je travaille pour des gens bien qui aimeraient beaucoup vous rencontrer. Ils ont dit que je vous trouverais là, mais j'ai encore du mal à y croire. Je vais vous conduire à eux. Bon, c'est pas loin d'ici, par le fleuve. Voici le pub Hound Pits, fermé au public tout comme la moitié du quartier déclaré sinistré par la peste. Nous sommes juste sous le nez du Lord Régent et il ne se doute de rien. Bien sûr, si quelqu'un découvre ce qu'on fait ici, la garde va débarquer l'épée au poing. Avec votre évasion, le Lord Régent va mettre la ville à sac pour vous retrouver. Je vous emmène voir l'amiral Havelock et le reste des loyalistes. L'amiral est un homme plein de ressources. Si quelqu'un peut vous aider à retrouver cette petite Lady Emily, il avait votre honneur, c'est bien lui. L'avenir est en marche. Nous en reparlerons plus tard, Lord. Oui. Est aussi bien artiste. Vous pourriez m'en descendre à nouveau pendant que je maintiens ça en place. Mais attention, l'huile est instable. C'est parfait. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Vous devez être épuisé. Je vous conseille d'aller dormir au plus vite. Votre existence va être mise à rude épreuve. Alors, allez vous reposer. Bonne nuit. Ce que tu fais de tes pouvoirs. Que puis-je faire pour vous ? Vous êtes prêts? C'est quand vous voulez. Ce sera pas facile. Avant, il suffisait de remonter Clavering Boulevard, mais plus maintenant. La moitié de la ville a été balayée par la peste. Et les survivants se disputent les restes. La garde urbaine tient encore les principaux axes et elle a placé des portails foudroyants partout. Ces trucs vous crament un homme en un instant. Tout ce que la garde urbaine ne contrôle pas est tombé aux mains des gangs. Et puis il y a des originaux qui vivent en marge, comme Mamie Chiffon. On dit qu'elle est folle. Je ne sais pas ce qui est pire. Faites votre choix. Votre attention.
précise un message spécial pour votre vénéré Lord Régent. C'est votre Lord Régent, s'il vous plaît. Après ce que j'ai entendu, Campbell a vécu dans le luxe. J'ai peut-être pas le droit de dire ça, mais je pense que les hommes d'église ne devraient pas vivre comme des barons. Vous êtes prêts à partir? Très bien, en route. Havelock et Lord Pendleton sont dans la cour. Je suppose qu'ils veulent nous féliciter. Ils sont tous corrompus. Il est recommandé à tous les amis. Je connais le Golden Cat. Corvo. Ça alors, je vous emmène au Golden Cat dès que vous serez prêt. J'ai déjà connu Lord Pendleton plus d'une fois. Possible du Golden Cat Corvo. Vous devrez vous débrouiller pour la fin du trajet. L'entrée est tout près d'Olger Square. Le principal, c'est de rapatrier la petite Emily avant qu'il ne lui arrive malheur. Les deux Pendleton sont là, du coup, ça doit grouiller de garde. Cinq jours peut peut-être vous donner un coup de pouce pour entrer au Cat, s'il ne vous tue pas. Ici, c'est son territoire. Avec son gang de Bottle Street, il se terre dans la vieille distillerie de whisky Dunwall. Ils vendent cet élixir, qui permet de lutter contre la peste. Je fais profil bas, mais je guette votre retour avec la petite. Bonne chance, Corvo. Je sais qu'Emily compte beaucoup sur vous. Thank you.
fermé à clé. Allez, venez manger. Vous êtes prêts tous les deux ? Corvo, j'ai l'impression que vous avez fait des miracles en ville cette nuit. J'en crois pas mes yeux. L'affaire est réglée, n'est-ce pas, Corvo? Je ne suis pas du genre à dire du mal des autres, ça non. S'il y en a qui méritaient leur sort, c'était bien ces Pendleton. Mais de quelle affaire vous parlez? Oh, de... une histoire d'adulte, fillette. Enfin, je veux dire, majesté, pardonnez-moi. C'est pas grave. J'ai entendu plein d'histoires d'adultes au Golden Cat. Oh. Bon, je vais me concentrer sur la navigation. Mon nom est Calista. Je m'occuperai de vous et de votre instruction ici. Enchantée. Moi de même. Voulez-vous voir votre chambre dans la tour? Je peux la voir? Oui, bien sûr. Vous allez pouvoir tout visiter. L'intégralité du Haunt Pits. Bien, je sens que je vais me plaire ici. Je vais suivre Calista, Corvo. On se revoit plus tard. Vous êtes impressionnant. Mais d'une lame, vous avez changé le visage de cette ville. Sans les jumeaux Pendleton, notre Lord Pendleton à nous prendra leur vote au Parlement. En une nuit, vous en avez fait plus que bien des hommes en une vie entière. Je dois encore vous parler, mais pour l'heure, Lord Pendleton demande votre attention. Corvo, la... Bien, ami. J'ai perdu connaissance. L'élixir de Sokolov. Cap sur Caldwin's Bridge. On dormira plus tard. Montez à bord quand vous serez prêt. Qu'en dites-vous, Corvo? Caldwin's Bridge. Il paraît que vous passiez tout votre temps à Dunwall Tower avec l'impératrice. Alors c'est peut-être la première fois que vous venez au pont. Si je peux me permettre un conseil, vous voyez ces lumières sur l'eau? Ah ça, on serait repéré à coup sûr. Faudra trouver le moyen de les éteindre avant que je vous récupère. Au fait, à propos de ce fameux Sokolov, c'est un malin. Peut-être encore plus que Pierrot. Il a toute la ville à sa botte avec ses histoires de philosophie naturelle. Technologie, potions, et j'en passe. À votre place, moi je me méfierais. C'est vous qui voyez, hein? Alors c'est bon. Bon sang. Bon sang. Hein? Yeah.
aménagé une cellule dans l'ancien chenil. Avec des chaînes et tout. Ça va lui faire un choc de se réveiller dans la paille et la crotte de chien. Je me suis laissé dire qu'il avait connu pire. Comme tous d'ailleurs. Réveille-toi! Tu faisais des grimaces dans ton sommeil. J'ai décidé de faire ma sieste dans ta chambre pendant que Callista prenait son bain. Elle m'a dit de venir ici en cas de danger. Callista... Attention, citoyen de Dol. Monsieur... Vous faites partie de cette ferme. Le bal masqué des Boyle. Ce sera plaisant, mais pas pour tout le monde. Vous êtes prêts? Vous devriez passer voir Pierrot avant de faire voile pour le grand bal. Histoire de faire le plein de... Ah mince, le Lord Régent a déballé de grands jeux pour la famille Boyle. Je pensais pas qu'il irait jusqu'à poster des Tall Boys. Faites gaffe, Corbeau. Ils plaisantent pas à cela. L'avantage quand vous serez à la fête, c'est que vous passerez inaperçu avec ce masque. Amusez-vous bien avec tout ce joli gratin. Je ne vous envie pas. J'espère que la soirée vous a plu, mais c'est l'heure de rentrer. Et vite. Lord Pendleton a dit qu'il nous retrouverait ici. Faudrait aller voir à la cave, perdre sa famille, ça peut donner soif. Bien joué. Nous nous sommes débarrassés d'une femme et une noble de surcroît. Cette Boyle était une vipère. Elle a aidé le Lord Régent à tuer l'impératrice. Je n'ai donc aucun regret. La nuit a été longue pour vous, Corvo, mais elle n'est pas encore finie. Avlok et Martin vous ont déjà préparé autre chose. Ils veulent vous voir tout de suite, dans les quartiers d'Avlok, au-dessus du bar. Votre attention, si. Corvo. Les rues adjacentes au manoir Boyle restent interdites pendant l'enquête en cours. Prêt à affronter le Lord Régent, il est temps qu'on s'occupe de lui. Plus que temps. Ça alors? Vous y voilà. Vos derniers souvenirs de Dunwall Tower n'ont rien de réjouissant, pas vrai? Alors c'est le moment de remettre les pendules à l'heure. Ça va faire une sacrée grimpette depuis les 12. La priorité, c'est d'abattre le Lord Régent. Il s'est construit un joli bunker en haut de la tour. La salle sécurisée, qu'il appelle. Les
complètement frappé. Quitte à jouer les touristes, il y a un autre endroit qui vous le détourne. La station de radiodiffusion. C'est de là qu'ils diffusent leurs annonces. Ça vaut le coup d'y jeter un œil. Vous êtes prêts ? La prochaine fois qu'on se verra, le Lord Régent sera mort. Sinon, j'aurai eu l'honneur de servir à vos côtés. Vous êtes prêt à retourner au Hound Pits? Merci à vous, Corvo. Bon, allons-y. Ces changements, ça m'inquiète pas mal, pour être franc. C'est toujours le menu fretin dans mon genre qui trinque. Mais cette fois, ça peut être différent. Le Lord Régent est hors d'état de nuire et l'abbaye a un nouveau grand superviseur. Notre travail est presque fini. Les autres sont au bar, sans doute en train de trinquer à votre santé. Moi, je vais rester dans le coin si ça vous fait rien. Réfléchir à des trucs tant que j'ai un moment. Félicitations, Corvo. Samuel, on dirait que tu es complètement ivre. L'homme qui était avec l'impératrice quand on l'a tué. Empoisonné. C'est du Tivien. Travail d'amateur. Il survivra. C'est d'autres qui décident. Je sais bien des choses, protecteur. Je connais ce tatouage sur ta main. C'est un cadeau de ton ami. Celui qui te parle dans l'ombre. Quand tu pries devant ses autels. Je suis passé par là, moi aussi. Et je
sais ce qu'on ressent quand on assassine une impératrice. Mais toi, je ne te connais pas. Ni qui tu es, ni pour qui tu te bats. Tu es un mystère. Et je ne peux l'accepter. Non. Ah, c'est vous, Corvo. Loué soient les étoiles. Je pense. Corvo, vous êtes dit, c'est incroyable. Ils ont tué tout le... C'est bien vous trouver ici. On perd toujours en pariant. Bien. Alors il faut embarquer à nouveau jusqu'à l'embouchure. Bien. Alors il faut embarquer à... J'imagine qu'Avlok, Martin et Lord Pendleton sont déjà arrivés et se sont retranchés dans le phare. Les connaissant, il y a peu de chances qu'ils se rendent. Je me souviens avoir entendu l'amiral et Martin parler de cet endroit comme un de leurs points de chute en cas de problème. Impossible d'attaquer sans passer par le fort et le poste de garde. Et il n'y a qu'un seul accès pour monter au sommet. Servir à vos côtés aura été un honneur. Cette histoire sera terminée, on se reverra peut-être. Bonne chance, Corvo. Vous méritez d'en avoir. Mes amitiés à Emily. Hein ?
va bien se passer maintenant? Je vais être impératrice? Ainsi s'achève l'interrègne, et Emily Caldwin s'apprête à prendre la place de sa mère sur le trône après une saison de troubles. Tu seras à ses côtés, Corvo, pour guider sa jeune âme, la protéger de ceux qui voudraient l'exploiter ou lui faire du mal.